Bonjour, je suis Gérard Pazuello, directeur du département cybersécurité chez ISE System. C'est un département qui comprend environ 35 consultants, essentiellement dans la cybersécurité opérationnelle. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans la sécurité des données auparavant et je me suis vraiment investi dans la cybersécurité opérationnelle depuis à peu près 6 à 7 ans. Parce que c'est un domaine, comme de nombreux domaines, qui allie compétences techniques et compétences humaines. Mais en cybersécurité et spécialement dans les situations de gestion de crise, là, il faut avoir des compétences humaines de recul, de bon compromis entre l'action et la réflexion, qui sont très importantes, et ça, c'est très intéressant. Ça s'est déroulé il y a à peu près 10 mois. Ça commence par un coup de fil très tôt le matin avec la description de l'étendue des dégâts. Dans ce cas-là, c'était un ransomware qui avait été propagé sur l'ensemble du système d'information, y compris les sauvegardes. Là, il faut prendre très tôt quelques actions de manière à circonscrire l'ampleur des dégâts. Et puis ensuite, il faut passer à la phase de investigation pour rechercher tous les indices de compromission et être capable de reconstruire le système d'information de manière safe et qu'il n'y ait pas de suraccident, de manière à passer à la phase de reconstruction en toute sérénité, ce qui n'est pas évident.